les élections de 2009 ont montré qu'il y a eu une forte intervention dans ce sens pour que, lors des les élections locales de 2009, la première place soit accordée au PAN. À partir de là... Comment vous expliquez ce processus qui a conduit à la création de ce parti ? Je ne l'ai pas compris à ce jour. Je l'ai dit, je l'ai exprimé. Et je suis content aujourd'hui de constater que même le PAM, avec sa direction actuelle, exprime quasiment la même position. Ça veut dire que le PAM d'aujourd'hui dit nous n'aurions pas dû nous positionner comme ça. Je ne suis pas contre, je n'ai jamais été contre personnellement la création du PAM, parce qu'il s'agit là d'une libre initiative. Il s'agit là de l'émergence d'un parti politique et tout groupement de citoyens marocains et de citoyennes marocaines a le droit de créer un parti politique. Sauf, si vous permettez, qu'à propos du PAM, vous avez fait référence en différentes circonstances, reprenant d'ailleurs la thématique d'Abdelhamid Kirane, à une initiative du Tahkoum et une volonté de régulation du champ partisan et du champ politique. Oui, alors, c'est attribuer cela à Abdelhamid Kirane ou au PJD, c'est une erreur de l'histoire, parce que nous avons parlé de cela bien avant. Et les premiers à être montés au créneau, je n'étais même pas encore secrétaire général, à l'encontre du PAM, ça a été la direction du PPS, et à sa tête, il y avait alors Moulay Ismaïl Alaoui. Je vous rappellerai l'expression qu'il a utilisée alors, de Mlaguet, par rapport au fait qu'il venait d'un peu partout de différentes forces politiques et qu'il n'avait pas d'identité claire. D'ailleurs, j'entendais encore il y a 3 ou 4 jours, Abdeltef Ouabi dire la chose suivante, adopter comme seule vision programmatique le rapport du cinquantenaire. Il répondait en cela au fait que la journaliste lui posait la question par rapport au fait, est-ce que vous allez adopter ce fameux rapport sur le nouveau modèle de développement, vous allez aussi en faire votre programme politique. Et lui, il disait, c'est absolument anormal, ce qui est une position juste à mon avis. Nous avons fait l'erreur de dire à ce moment-là que nous adoptions le rapport du cinquantenaire, alors que le rapport du cinquantenaire était un rapport public, une propriété de toute la nation, et pas d'un parti. J'espère qu'aucun parti ne s'élèvera demain pour dire nous allons adopter tout simplement le nouveau modèle de développement qui sera proposé par la commission spéciale à cet effet. Et donc, lorsque nous avons vu que les choses évoluaient de la sorte, nous nous sommes élevés contre cela et nous avons tapé à la porte de l'Istiqlal, qui présidait alors le gouvernement. Nous avons tapé à la porte de l'USFP. Nous avons essayé de leur dire notre rôle pendant toutes les décennies qui ont précédé et depuis l'obtention de l'indépendance, ça a été de corriger le tir et de prendre une position ferme à chaque fois que cela s'est vu sur la scène nationale. Il faut réagir aujourd'hui, car qu'un parti politique soit créé, soit, mais que des moyens illicites soient utilisés pour qu'il occupe la première place et domine de cette manière la scène politique, alors que nous croyons que nous avions dépassé ces étapes-là, ceci ne doit pas se faire. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction, ni auprès de l'Istiqlal, ni auprès de l'USFP. Et il nous fallait, et je reviens à notre politique d'alliance, à nous seuls, nous ne pouvions pas nous élever contre cela. Il se trouve que le champ politique nous a réunis avec le PJD sur cette orientation-là. Ensuite, des contacts se sont établis à la faveur des événements de février 2011, du 20 février 2011, et des contacts ont été établis et nous avons commencé à considérer qu'après tout, pourquoi continuer de se regarder en chien de faïence ? Pourquoi forcément une tendance islamiste, je veux bien le croire lorsqu'il s'agirait d'une tendance qui ne veut absolument rien savoir et qui est fermée sur ses positions, complètement passéiste, complètement rétrograde, qui refuse de s'adapter à la réalité démocratique, qui refuse de s'ouvrir un tant soit peu à cette perspective moderniste, etc. Vous êtes sorti des clous. Nous les avons fait sortir des clous. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Nous avons contribué à faire sortir le PJD des clous. Et c'est le PJD aujourd'hui qui a été dans l'obligation d'adopter la Constitution telle qu'elle est rédigée,
qui a été obligé de s'adapter au jeu institutionnel, qui a été obligé de s'adapter à cet espace de liberté relative, certes, collective et individuelle qu'il y a dans le pays, qui a été obligé de s'adapter. Il n'y a aucune position sur laquelle le PPS est devenu rétrograde, ou sur laquelle le PPS, au niveau culturel, au niveau social, au niveau sociétal, au niveau économique ou autre, ben c'est le PPS qui a adopté les positions du PPS et du PJD. Il n'y a rien en cela. Nous, notre alliance avec le PJD se faisait sur cette base. Maintenant, je vais vous répondre à une chose parce qu'on me l'a souvent dit. Et je me posais des questions et je me disais, est-ce que tu n'as pas embarqué ? Ça aussi, je fais beaucoup attention en disant cela. Est-ce que tu n'as pas embarqué le parti avec toi dans cette surenchère ? Et cela a fini, comme on le sait, en 2016, avec les coups qui nous ont été assénés. Et je me dis quelque part que il y avait une situation politique dans le gouvernement Benkirane qui faisait que soit on allait pouvoir se faire entendre, soit on allait avoir le rôle de comparse dans ce gouvernement. Il y avait une telle force qui régnait autour du PJD et autour d'Abdelilah Benkirane, de ses discours, de ses meetings, de ses sorties au Parlement, etc., que le fait de ne pas parler, de ne pas parler fortement et de ne pas avoir un discours politique solide, fort, eh bien, allait faire que nous allions être ternes. C'est peut-être là l'erreur. Vous avez forcé le trait. C'est peut-être qu'en forçant le trait, parce qu'il fallait exister. Et c'est pour cela qu'il y a un moment où je disais aux gens, je disais, vous savez, il n'y a pas que le PJD pour contrecarrer ce qui se passe. Le PJD, c'est la version islamiste du rejet de cette situation. Mais il y a une version progressiste, c'est celle du PPS. Malheureusement, ça n'a pas été suffisamment entendu. Cette position-là de forcer le trait vous est reprochée, vous le savez, par certains centres de décision et ça pose problème. On va y revenir. Mais en attendant, je voudrais revenir sur la Koutla. Votre famille naturelle, pourtant, c'est la Koutla. Or, le parcours qui est fait est un parcours chaotique de cette Koutla. Et aujourd'hui, vous êtes en coordination avec l'Istiklal, ça c'est tout à fait normal, mais avec le PAM. Question, est-ce que le PAM est devenu, à vos yeux, un parti fréquentable, normal, alors qu'il a un passé et un passif ? Et tout le monde a un passé, y compris les partis nationaux avec lesquels nous sommes longtemps alliés. Le PAM a connu un processus il me semble intéressant. Il doit être pris avec beaucoup de prudence, mais en même temps avec un sens de l'ouverture. Voilà une direction qui arrive aux affaires, qui est menée par Abdeltefoubi, et qui, pendant toute la phase de débat interne au PAM, durant ces dernières années, s'est clairement érigée contre l'orientation officielle. D'abord, contre l'ancien secrétaire général, contre celui qui était aux affaires jusqu'après 2016 à peu près. Ça veut dire Ilyas Lamari, les gens vont croire que j'ose pas prononcer son nom alors que c'est le dernier de mes soucis. Oui, Ilyas Lamari. Et ensuite, celui qui lui a succédé, à savoir Ben Chemass. Donc, cette mouvance à l'intérieur même du PAM, exprimer des positions, en particulier à travers Abdeltefoubi, qui critiquait toute l'approche politique adoptée depuis 2009 et qui disait nous avons voulu aller trop vite, nous aurions dû attendre notre tour tranquillement, nous aurions dû participer aux élections de manière normale, sans être boosté par qui que ce soit. Nous aurions dû à ce moment-là voir les élections de 2011 comment elles se passeraient, ensuite celles de 2016, probablement que nous aurions pu avoir notre chance en 2016, et si ce n'était pas en 2016, eh bien en 2021, de manière naturelle. Si vous permettez d'une autre manière, est-ce que le PAM aujourd'hui vous paraît un parti utile alors que le champ partisan est complexe, qu'il est ouvert, qu'il comprend un certain nombre de partis ayant des parcours différents ? Il existe, d'abord. Je continuerai ma réponse et je répondrai également à cette question. Le PAM existe aujourd'hui. Personne ne va venir interdire le PAM. Il
pas question d'interdire un quelconque parti politique. Le PAM existe. Il a connu son parcours. Il a fait sa mue, une relative. Il y a aujourd'hui une direction qui a beaucoup critiqué l'approche précédente par rapport au fait que il y a eu détérioration des relations avec un certain nombre de partis politiques. La direction actuelle, avant même d'accéder aux affaires, eh bien, disait ce n'est pas normal que nous ayons des relations vraiment déplorables avec l'ensemble des forces politiques nationales, ou quasiment. Il faut nous réconcilier avec un certain nombre de forces. C'est eux qui ont fait des approches à notre égard, en disant parmi les partis qui comptent dans ce pays et qui ont une symbolique particulière, il faut se rapprocher du PPS. Ce sont des déclarations de Ohebi, ce ne sont pas les miennes. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans l'opposition parce que nous ne pouvions plus continuer dans le gouvernement, je pense qu'on y reviendra, eh bien, nous avons trouvé deux partis, l'Istiqlal et le PAM. Et pour rappel, ces deux partis n'avaient aucune espèce de coordination entre eux dans l'opposition. Rien. C'est nous qui avons agi pour créer une sorte de pôle d'opposition, pour essayer de lui donner de la contenance. Nous avons été utiles là aussi. Nous nous sommes dit, bon, c'est tout ce qu'il y a. Bien sûr, nous aurions aimé que nous nous retrouvions sur une même ligne avec les partis de la Koutla dans un front patriotique, progressiste, tel que nous l'avons toujours souhaité. Mais on ne fait pas ce qu'on, veut. La coordination avec l'Istiqlal, c'est normal, c'est une famille du mouvement national. La coordination avec le PAM vous paraît supérieure à une exigence de coordination avec l'USFP. La coordination avec l'USFP, nous n'avons strictement rien contre, à partir du moment où l'USFP se situerait dans cette mouvance également. Or, l'USFP a choisi aujourd'hui une tout à fait autre ligne, l'USFP s'est retrouvé dans une sorte d'alliance des quatre, c'est comme ça que je l'appelle, au sein du gouvernement. Nous avons vécu ça de l'intérieur, nous avons vu comment il y avait une sorte de perte d'autonomie un alignement sur un certain nombre de positions qui, à notre sens, n'était pas acceptable. Et aujourd'hui, dans tous les cas de figure, nous sommes dans l'opposition, le Stiklal est dans l'opposition, le PAM l'est avec nous, et l'USFP est encore dans la mouvance gouvernementale. Donc il est difficile d'envisager que nous puissions constituer un quelconque front, alors même que nous sommes dans deux camps différents, opposition d'une part. Ça n'empêche pas un projet commun. Ça n'empêche même pas, en étant au sein du gouvernement. Vous savez, j'ai énormément de respect pour l'USFP. J'ai du respect pour l'USFP tel que j'ai connu l'USFP. Tel probablement, c'est Mustapha, que vous avez connu l'USFP. Pas celle d'aujourd'hui. Je crois que l'USFP d'aujourd'hui, il faut demander aux militants de l'USFP ce qu'ils en pensent. Pour ma part, je préfère garder l'entière réserve à ce sujet. Vous avez parlé souvent dans vos déclarations et même celles des instances de votre parti de la nécessité de l'autonomie de décision des partis, et vous revenez tout le temps sur cet aspect. Vous voulez dire quoi de manière explicite ? Je veux dire que les Marocains qui nous regardent ne peuvent pas comprendre. Alors même qu'ils sont tous aujourd'hui ouverts sur le monde. Ils voient ce qui se passe dans les pays développés, dans les pays qu'ils sont moins. Ils voient les débats politiques qui existent un peu partout. Comment vous voulez expliquer à ces Marocains que des partis politiques puissent être respectés, puissent développer une certaine crédibilité, puissent créer un climat de confiance à l'égard du politique, si dans le même temps on voit que leur direction qui existait encore hier est remplacée de manière tout à fait surprenante en une nuit par une nouvelle direction, ou bien que dans un congrès on sache qu'en fait il y a eu intervention d'un certain nombre de milieux pour privilégier telle orientation et telle personne au lieu de telle autre. Tout cela est connu, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une révision de cette orientation. Je suis heureux de constater aujourd'hui que, quelque part, on laisse les partis politiques tels qu'ils existent se mouvoir. Le gros problème,
c'est que nous sommes rentrés dans une sorte d'habitude, dans une sorte de réflexe qui fait que la grande majorité des partis politiques n'osent pas se prononcer sur un certain nombre de questions avant de consulter ou avant de déceler quelque part un feu vert. On peut penser que ce que vous dites là, on peut penser que c'est une forme de régulation qui est assurée par certains cercles de décision. C'est anormal. C'est pas comme ça que peut vivre la démocratie. Oui, mais la démocratie a besoin de liberté, a besoin de spontanéité, a besoin de vivacité, a besoin de confiance entre le citoyen et les forces politiques. Que chacun assume l'entière responsabilité de ses propos. À partir du moment où nous sommes tous dans le cadre constitutionnel, à partir du moment où Dieu, la patrie, le roi et la démocratie aujourd'hui, c'est ainsi que le prévoit la Constitution, les constantes et les fondamentaux étant la religion musulmane, la fidélité à la patrie, la fidélité à la monarchie et également l'option démocratique, ce qui a été rajouté dans l'option dans la constitution de 2011. À partir du moment où tout le monde est dans ce cadre-là, laissez les gens respirer, laissons les gens s'exprimer. Question incidente, pourquoi le système partisan fonctionne comme ça? Et est-ce que c'est réformable? Je pense que nous ne construirons pas de réelle démocratie dans notre pays tant que nous n'aurons pas créer ce climat d'autonomie, ce climat dans lequel la Constitution est là, elle est au-dessus de nous, toute personne qui la viole, eh bien, sait très bien à quoi elle s'expose, et par ailleurs, eh bien, il y a une concurrence politique qui s'opère de manière naturelle, et les Marocains sont juges de ce qui se passe. Et il y a un processus électoral, les gens votent, d'ailleurs, s'ils voient que la scène politique se développe et se meut de cette manière, eh bien, il est certain que le taux de participation va devenir beaucoup plus important et qu'il y aura une réconciliation entre le citoyen et le champ politique, entre le citoyen et la citoyenne et les forces politiques et les institutions et les partis et autres. Et donc, tant que nous n'aurons pas fait ça, je ne pense pas que nous allons pouvoir construire une démocratie solide, profonde. Je voudrais revenir sur le statut de Mohamed Nabil Abdallah, secrétaire général du PPS depuis 2010, et la situation de ce parti. On peut penser que depuis donc près de 11 ans maintenant, vous avez donné sans aucun doute une plus-value à ce parti. Plus-value en termes de communication, en termes de prise de position, etc. On peut également penser que depuis votre passage, depuis votre départ du gouvernement le 24 octobre 2017 et le basculement de votre parti dans l'opposition, il y a une relation particulière qui conduit à ceci. Il y a, selon certains, un problème maintenant, Mohamed Nabil Abdallah, qui pénaliserait l'avenir et le destin du PPS. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Pour être clair avec vous, parce que je ne vais pas utiliser des contorsions pour essayer de vous répondre, c'est de la vieille histoire. Voilà. C'est de la vieille histoire. Personnellement, j'ai probablement tenu compte avec le parti. Nous avons tenu compte de tout ce qui s'est passé. Nous avons compris qu'il y avait une situation dont il fallait savoir maîtriser les paramètres. Et d'autre part, je crois qu'on s'est rendu compte également que le PPS était un parti utile. Et à partir de là, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes contents de constater que la tension qui existait avant les élections de 2016 n'existe absolument pas aujourd'hui. Et que nous agissons, nous évoluons sur la scène politique, sur la scène électorale, dans les différentes provinces, avec dans les mêmes conditions, sauf à deux ou trois exceptions près, dans les mêmes conditions avec les mêmes chances que le reste des autres politiques. Il n'y a absolument pas cette question là. Je vais actualiser cette vieille histoire, si vous permettez. Que le PPS soit utile, c'est un débat, c'est votre position.
Est-ce que maintenant le vote PPS est un vote utile dans la présente conjoncture? Je crois qu'il est très utile aujourd'hui. Tu peux considérer un moment, nous avons beaucoup souffert de cela pendant tout notre parcours politique. Nous avons souffert de cela, disons, revenant au moment où disons, il y a des élections plus ou moins régulières qui se sont organisées au Maroc, à savoir à partir de 76-77. Je ne vais pas parler du début des années 60, c'était particulier, mais disons, au sortir de l'état d'exception, au début de ce que nous appelons, nous, au parti, le processus démocratique, je peux comprendre que pour certaines mouvances de gauche dans le pays, on puisse considérer que, à l'époque, le PPS est bien gentil, c'est sympathique, mais en fait, si on veut être utile, il va falloir voter USF. Nous avons longtemps souffert de cela. Je peux comprendre. En 2016, 2011 aussi, nous ayons été les premiers à nous opposer à cette déviation de la construction démocratique dans notre pays, beaucoup de gens ont considéré que si nous voulons contrer cette émergence politique qui s'imposait un peu par des moyens illicites, eh bien, il fallait voter PJD et qu'il fallait aller vers cette force qui développait le plus de capacités pour s'opposer à cette émergence. Et donc, nous en avons fait un peu les frais. C'est la même chose en 2016. Là aussi, c'était encore une concurrence, PAM-PJD, et donc il fallait beaucoup de gens qui n'ont strictement rien à voir, y compris de gauche, qui n'ont strictement rien à voir avec les valeurs du PJD, ont voté PJD, juste pour contrer le PAM, dans différentes couches sociales. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que lorsqu'on voit l'état des forces politiques, oui, il y a des raisons fortes de voter pour le PPS. Parce que le PPS est probablement le seul parti, si on exclut le PJD, à garder sa ligne, à garder son autonomie de décision, à garder des positions fortes, à développer une vision programmatique puissante, à rester vigilant sur la scène politique pour décocher les critiques qu'il faut, là où il faut, sur un certain nombre de questions. Il n'y a pratiquement... Regardez, je voudrais vous donner quelques exemples de ce point de vue. Depuis de longues années maintenant, nous sommes pratiquement le seul parti politique à se réunir toutes les semaines et à sortir des déclarations du bureau politique sur toutes les questions, petites et grandes, qui traversent notre société, y compris les plus délicates et les plus difficiles. Nous sommes là à chaque fois à réagir, nous allons en parler probablement avec Sismaël, sur des visions programmatiques. Nous, à chaque fois qu'il le faut, nous déposons des documents, nous développons une réflexion, nous faisons des choses approfondies, probablement critiquables sur un certain nombre d'aspects, mais en tout cas, nous produisons. Nous Est-ce sommes là, nous si, communiquons beaucoup. Si Donc, vous permettez... Oui, le PPS, le parti, le pays, le Parlement demain, probablement le gouvernement, a besoin d'une force comme le PPS qui développe des idées fortes, qui développe une vision réelle de démocratisation du pays, qui est une force qui est jalouse de son autonomie de décision, qui considère que le pays ne pourra avancer que s'il y a une liberté de ton, que si nous pouvons dire les choses comme il faut, et que ce n'est que cela que nous avancerons. Oui, c'est pour cela que le PPS est utile aujourd'hui. Alors, précisément... Et je voudrais quand même rajouter qu'il y a des forces, il y a des couches sociales qui souffrent. Nous ne défendons pas seulement la démocratie, nous ne défendons pas seulement l'économie. Nous sommes l'une des rares forces à parler de manière sérieuse et profonde de la condition humaine, de ce que vivent les gens au quotidien. Nous l'avons fait sur toutes ces années, nous l'avons fait pendant le Covid, nous avons appelé à des décisions, fort heureusement, nous avons applaudi les décisions prises par Sa Majesté, principalement et pas par le gouvernement, sur un certain nombre de questions de soutien social, sur la question de la protection sociale aujourd'hui. Tout le monde a applaudi les décisions royales. Oui, non, mais je veux dire, tout le monde n'y a pas appelé avant. Voilà la différence. Tout le monde n'y a pas appelé avant. Alors, le PPS y a appelé avant. La protection sociale, c'est une question sur laquelle nous militons depuis des dizaines d'années, en estimant que le pays ne peut pas avancer s'il n'y a pas un socle social, s'il n'y a pas un socle de justice sociale, et que ce sont des boulets de canon, nous allons y revenir
probablement dans notre discussion sur la situation économique et sociale. Donc voilà le PPS. Le PPS, c'est un parti qui a toujours défendu. Le PPS est un État qui défend également l'État de droit, pas seulement sur la question politique, mais également sur la situation économique. Parce que là aussi, nous avons besoin, si nous voulons construire une économie forte, l'entrée, l'introduction à cela passe par un État de droit économique. J'ai également encore trois petites questions, si Ismaël me le permet. Est-ce que sur tout ça, vous attendez un retour sur investissement lors des prochaines élections? On a le sentiment qu'il y a un plafond. Le PPS a fait 280 000 voix en 2016. Il en avait fait 150 000 de plus, 413 000 en 2015 lors des communales, des régionales. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez la possibilité de fixer la barre électorale et à quel niveau pour les élections? Ça dépendra de beaucoup de choses. D'abord, les chiffres sont là, une petite différence, pas grand-chose. 423 000 voix précisément dans les élections locales de 2015, ce qui n'est pas loin du demi-million. C'est un score historique pour le PPS. Faire un demi-million de voix avec 6 millions de voix exprimées, c'est quand même significatif dans la réalité marocaine. Maintenant, si on veut comparer cela au nombre de personnes qui sont inscrites ou qui devraient être inscrites sur les listes, eh bien, je peux vous dire que même le PJD devient un parti qui ne représente que 7% de la population en âge de voter dans notre pays. Donc, ça, c'est une autre affaire. Je pense que nous avons, de ce point de vue, réalisé des scores qui sont importants. En 2016, j'aimerais également apporter une petite nuance pour dire que nous n'avons pas été correctement rétribués. Nous avions les positions que nous avons et tout le monde sait que nous avons été privés d'un certain nombre de sièges au Parlement et que nous ne méritions absolument pas d'avoir 12 sièges. Nous étions bien au-delà du groupe parlementaire. C'était le retour de manivelle de vos précédentes prises de position, n'est-ce pas ? Je suis heureux de vous l'entendre dire. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises, je le répète aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour 2021? Ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra du taux de participation. Et c'est là où je voudrais m'adresser aux citoyennes et citoyens qui se considèrent dans une mouvance de progrès, qui se considèrent dans une mouvance de modernité, qui voudraient que la démocratie avance dans notre pays, qui voudraient un meilleur cadre de vie, qui voudraient quand même que nous puissions construire une économie plus solide. Regardez les acteurs politiques en spectateurs et considérer que nous sommes tous les mêmes et que ça ne sert strictement à rien de voter, eh bien, ça pénalise principalement des forces comme le PPS. Parce que les autres, je vais vous dire, il y a trois types de votants dans le pays. Il y en a trois. Il y a ceux qui se tairent et qui constituent l'électorat du PJD et des islamistes. Il y a ceux qui votent par intérêt, soit par intérêt financier direct le jour même des élections. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Soit parce qu'il y a une appartenance tribale ou autre. Et il y a une extrême minorité qui vote par conviction, ce qu'on appelle le vote politique. Or, ce vote politique est quasiment inexistant aujourd'hui au Maroc. Et le PPS en pâtit, en première position. C'est pour cela que les gens ont besoin, nous avons besoin que vous vous exprimiez, que les gens s'expriment, qu'ils viennent voter, qu'ils s'inscrivent et qu'ils... Ils ne peuvent pas critiquer le pays, exprimer leur mécontentement, se casser pour beaucoup de ceux qui nous regardent, partir ailleurs parce que l'ambiance globale du pays ne leur plaît pas, etc. Et avoir quand même cette relation avec ce pays, cet amour de la patrie, mais ne pas voter. Eh bien, lorsque vous ne votez pas, vous favorisez soit ceux qui se tairent, c'est-à-dire qui votent islamistes, soit ceux qui utilisent ce vote d'intérêt. Et vous pétez un parti comme le PPS. Donc ça dépendra beaucoup de cela. Je pense que nous sommes en mesure, j'ai lu ce que vous avez écrit à ce propos, vous nous reconnaissez vous-même la capacité malgré tout d'obtenir un groupe parlementaire. Eh bien, nous l'obtiendrons, et si Dieu le veut, bien sûr, toujours, mais également si
et un élan national, je pense que le PPS est en mesure d'aller un peu plus loin que cela. De manière à pouvoir... Comment nous expliquons cela pour notre part ? L'essentiel, c'est de pouvoir être là au moment où des décisions importantes sont prises pour le pays. S'il y a un PPS à 10 sièges, ce n'est pas la même chose que s'il y a un PPS à 30 sièges. Même avec un PPS, avec un groupe parlementaire, si vous permettez, si je vous formule l'hypothèse que sa participation à une future majorité est faible, est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je pense qu'il faut, malheureusement pour nous, moi j'aimerais bien vous dire aujourd'hui, vous savez, voilà nos alliances, voilà avec qui nous sommes, voilà avec qui on formera au gouvernement, voilà avec qui on ne formera pas de gouvernement. Malheureusement, la situation est tellement peu claire qu'il est difficile de se prononcer comme ça. Alors même que dans toutes les précédentes élections, l'opposition était très claire de ce point de vue, parce que la situation était un peu plus dégagée. De ce point de vue, les perspectives étaient dégagées. Maintenant, aujourd'hui, je vous dirais, ça dépendra. S'il s'agit de continuer ce qui se fait aujourd'hui dans le gouvernement Atmani, pensons pas que notre place est dans une structure gouvernementale similaire. S'il s'agit d'être dans une perspective où c'est le groupe des quatre, c'est-à-dire les partis menés par le RNI, sans qu'on voit réellement quel est l'intérêt, si ce n'est, à mon sens, de servir un certain nombre de couches oligarchiques ou bien de milieux financiers avec des visions particulières. S'il s'agit de cela, là aussi, nous aurons beaucoup de mal. Maintenant, si nous considérons qu'il peut y avoir, comme cela s'est fait avec Abdrahman Youssefi, comme cela s'est fait partiellement également avec Drejeto, comme cela s'est fait avec Abbas El-Fassi, comme cela s'est fait sur d'autres bases avec Abdel Ibn Kiran, disons, ce qui pourrait ressembler à un gouvernement de centre-gauche dans lequel la perspective démocratique est présente, la construction économique solide est là, le besoin réel de créer une économie forte et de sortir des sentiers battus dans lequel la dimension sociale est présente, eh bien, oui, nous considérons que nous devons être là-dedans pour donner plus de poids à cette orientation. Donc, je suis dans l'incapacité de vous répondre aujourd'hui. Ce qui sera déterminant dans tout ça, c'est quel sera le score que réalisera le PPS. Et après, on avisera. Dans les dernières déclarations et dans les communiqués de votre bureau politique, vous revenez souvent ces temps-ci sur l'exigence d'apaisement du climat politique. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous faites référence à des mesures d'élargissement pour certaines catégories de détenus, autre chose, etc. C'est tout à fait cela. Je pense qu'aujourd'hui, vous le constaterez, il y a un climat qui n'est pas rassurant du tout par rapport au processus électoral. Vous faites, c'est pas parce que vous me recevez, j'espère que vous en allez recevoir d'autres, mais vous faites œuvre utile. Vous savez qu'il n'y a pratiquement pas de débat. Les télés publiques sont absentes du débat. Alors nous avons le mois de Ramadan, c'est bien beau, les sitcoms, les feuilletons, je ne sais quoi, c'est très bien pour le divertissement. Il n'y a aucune espèce d'émission politique, pratiquement, en tout cas sur la chaîne principale, il n'y en a pas. Et alors que nous sommes à 4-5 mois des élections, aucun débat politique. Alors que normalement, maintenant, nous devrions avoir deux secrétaires généraux de parti d'un côté, deux autres de l'autre, débattre, des experts, je ne sais quoi, sur n'importe quelle question, question économique, la question sociale, la protection sociale, le politique, la démocratie, etc. Il n'y a rien. C'est déjà grave en soi. La seule chose qui existe aujourd'hui, qui est malheureuse, c'est que les partis politiques sont en train de se bouffer le nez et de se voler de manière réciproque les candidats, un peu partout, dans toutes les circonscriptions. Malheureusement, nous sommes obligés de nous mouvoir nous-mêmes en tant que partis dans ce cadre-là. Et comme il y a, disons, une immense majorité de la population qui ne s'intéresse pas à cela, eh bien, nous ne sommes même pas en mesure de trouver des compétences autres pour pouvoir les amener sur le champ électoral et les faire gagner
Parce que c'est un marché qui n'est pas élastique. Parce que c'est un marché qui n'est pas élastique. Et parce qu'il y a une rupture profonde et un fossé aujourd'hui entre les Marocains et la scène électorale et la scène politique. Alors, ma dernière question, si vous permettez, aujourd'hui... Non, mais je n'ai pas parlé de l'élargissement, je voudrais en parler rapidement. Oui. Je voudrais juste dire que l'élargissement ou l'apaisement ou la détente, eh bien, c'est dans ce cadre-là, à mon avis, il faudrait... Et je le fais toujours quand on me pose cette question avec la mimique nécessaire. Nous avons besoin de... La société a besoin de respirer. Les gens ont besoin, pour se réintéresser, de se dire, bon, ben écoutez, il y a eu des problèmes dans le RIF, il y a peut-être eu des dépassements, mais aujourd'hui, ils ont passé un certain nombre d'années en tôle, en prison. Il faudrait qu'il y ait des mesures d'élargissement pour plier ce dossier. La même chose pour le dossier de Jrada, la même chose pour certains dossiers de presse, de manière à ce que il y ait une sorte d'appréciation dans la société qu'on respire de nouveau. Il y a une possibilité aujourd'hui de recroire aux politiques, à la capacité de construire une démocratie, etc. Je pense que lorsque nous avons appelé à une réunion l'Istiqlal et le PPS tout d'abord, et ensuite le PAM nous a rejoint, il y a plus d'un an, avant le Covid, nous avons insisté d'abord dans nos interventions en présence du chef du gouvernement, du ministre de l'Intérieur, mais également des autres partis politiques. Nous ne sommes pas là pour discuter des techniques électorales ou des lois électorales. Nous sommes là pour discuter de l'introduction politique à ces élections. Dans quel cadre politique vous voulez tenir ces élections? Je vous parlais tout à l'heure de l'absence de toute vision programmatique. Je vous parle maintenant de l'absence de tout débat démocratique. Je vous parle dans le même temps d'un climat dans lequel les Marocains s'occupent de tout à fait autre chose, sauf de ce qui se passe sur le champ électoral. Et donc, on ne peut pas tenir des élections dans ce climat-là. Donc, je pense que nous avons besoin de mesures qui puissent contribuer à réconcilier les Marocains avec la chose politique. En ce printemps 2021, c'est ma dernière question, comment vous jugez l'état des lieux pour ce qui est des droits et libertés ? Y a-t-il eu consolidation ou bien régression? Je dirais qu'il y a eu stagnation, et lorsqu'on stagne, on régresse. Parce que nous avons connu une formidable effervescence avec l'arrivée au pouvoir de Sa Majesté le Roi Mohamed. Tout le monde s'en rappelle. Sur la question des droits des femmes et du code de la famille, sur la question des droits de l'homme, dans la continuité de l'action entamée par Feu Sa Majesté Hassan II, l'instance équité et réconciliation, le fait de plier un certain nombre de dossiers liés à l'emprisonnement politique aux années de plomb, la question amazigh, la réconciliation du Maroc avec sa diversité linguistique, culturelle et autres, un certain nombre d'avancées au niveau de l'adoption de traités internationaux en matière de droits des femmes, en matière de droits de l'enfant, et j'en passe. Ensuite, nous avons eu la Constitution. Je voudrais dire une chose. Si nous avons été le seul pays dans lequel la révolution, le printemps arabe, si nous avons été le seul pays dans lequel les choses se sont passées dans la stabilité, c'est parce qu'il y a eu des réformes avant. C'est parce que malgré tout, sur le plan politique, économique et social, il y avait quelques acquis qui avaient été développés. Donc, nous avons eu tout ça, puis nous avons eu cette formidable constitution de 2011, et ensuite, eh bien, nous sommes rentrés dans une sorte de situation de blocage. Le code pénal n'a pas évolué depuis 73, et encore, on dit 73 parce que c'était 74, une petite réformette, mais en fait, depuis le début des années 60, le code pénal étant... Il est au Parlement. Il est d'une commission parlementaire. Il est partiellement au Parlement pour quelques articles seulement, et il est bloqué. Et il est bloqué du fait de la divergence entre les partis de la majorité. Ce ne sont pas les partis de l'opposition qui le bloquent. Donc, vous voyez, et les choses sont là, en termes de liberté publique, en termes de liberté collective, en termes de code pénal. Le code pénal, c'est quand même
en termes de graduation des lois, c'est le code le plus important après la Constitution. Le code donc, du travail. Le code du travail qui stagne, encore une fois, la question du droit de grève et autres. Certaines lois organiques qui, à ce jour, n'ont pas avancé. Certaines institutions qui devraient être nommées et commencer à travailler, qui sont prévues par la Constitution, qui ne sont pas encore à pied d'œuvre. Donc, vous voyez, il y a besoin réellement d'opérer une accélération. C'est ce que nous avons appelé dans notre congrès de 2018 un souffle démocratique nouveau. Voilà, nous avons encore besoin aujourd'hui d'un souffle démocratique nouveau. Bon, merci. Bien. Passons aux choses sérieuses. Bien. Il y a deux choses que je retiens, grosso modo, de tout ce qui a pu être dit. Le déficit de débat, ça m'intéresse. Je vais commencer par ça, puis je reviendrai après sur ce que propose le parti plus particulièrement et la façon dont vous y prenez. Il y a un déficit de débat, c'est clair, et il y a des questions qui semblent tout à fait fondamentales concernant le pays et qui appellent des réponses urgentes au cours de ces 5 prochaines années. Vous vous présentez aux élections, vous avez une ambition gouvernementale. Vous souhaitez revenir aux affaires. Et ces questions vont s'imposer à vous. Et vous êtes obligé de vous y intéresser. Or, aujourd'hui, le débat à ce niveau-là, il est nul. C'est un encéphalogramme plat. Okay ? Pensons pour la première chose. On a un déficit d'appréciation. À la structure de notre économie. Notre économie est un bicéphale. Il y a un secteur régulé qui représente grosso modo 30% de la population employée ou en âge de travailler. Et puis il y a 70% qui relève d'un secteur qui, lui, n'est pas régulé, qui n'est pas structuré et qui est en grande partie livré à lui-même. Or, quand on écoute tout ce à quoi les décideurs s'intéressent, tous les leaders d'opinion, les économistes, tout le monde, même les grandes institutions internationales, elles ne s'occupent que de ce qui est formel, et absolument pas de ce qui n'est pas formel. J'en veux pour preuve, et ça c'est la question que je vous pose, parce que c'est une question extrêmement concrète. Nous avons, et vous allez avoir, si demain vous êtes au gouvernement, tous les ans, 700 000 jeunes qui arrivent en âge de travailler. Là où l'économie, quand ça fonctionne, crée le solde, hein, parce qu'en fait on en crée beaucoup plus, mais on en détruit d'autant, chose qu'on n'aborde jamais d'ailleurs comme question, la destruction des emplois. On crée 100 000 emplois par an, là où il en faudrait, allez, 400 000, toutes choses égales par ailleurs. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça, c'est quelque chose, c'est tous les ans et pendant 20 ans. Demain, quand ça va se passer, Nabil Abdallah, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes? Circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut rien faire pour vous en ce moment, on y travaille, on pourra faire des choses, les résultats seront là dans 10 ans. Mais eux, 10 ans, c'est un horizon qui n'est même pas concevable. Quel est votre sentiment là-dessus? Comment vous abordez ça? C'est une question que je pose à tout le monde. Hein, ça a peut-être plus d'intérêt pour vous, parce que vous êtes censé faire le job. Parce que si vous ne faites pas le job, tous ces gens-là, ils vont chez qui? Ils vont chez les populistes. Ok? Ok. Bien. J'aimerais d'abord... Merci pour cette question et pour cette introduction de la partie économique de ce débat. J'aimerais d'abord faire le lien avec l'aspect politique. L'économie, la question économique, la question sociale ont besoin d'être la question économique, la question sociale ont besoin d'être prises à bras le corps dans notre pays. Prise à bras le corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ayons un gouvernement fort, un gouvernement qui décide, un gouvernement qui a une perspective. Allez, parce qu'il faut arrêter cette approche de déperdition.
cette approche de gaspillage, cette approche qui fait que, par exemple, sur les dernières années, un certain nombre d'appréhensions politiques ont régné, et cela s'est fait au détriment de la question économique, au détriment de la question sociale. J'en veux pour preuve l'absence totale d'homogénéité qui existe dans le gouvernement actuel. Pour s'occuper de ces questions-là, encore faut-il qu'il y ait un gouvernement qui s'occupe de ces choses au lieu de passer son temps. J'ai fait partie de ce gouvernement et très honnêtement... Là, on parle de 5 années à venir. Hein. D'accord. Je finis tout de suite sur ça parce que je fais le lien. Je fais le lien pour dire que c'est important. Oui, bien sûr. Parce que pour les 5 années à venir, pour les 10 années à venir, pour les 15 années à venir, il faut, conformément à la Constitution, et c'est ça le lien, nous ayons un gouvernement fort, un gouvernement qui décide, un gouvernement qui a des prérogatives, une alliance qui est basée sur une vision programmatique et qui se dit, avec une option libérale teintée de sociale ou avec une vision progressiste teintée d'ouverture libérale ou peu importe, en tout cas, en fonction de ce que donneront les élections, mais que nous ayons une vision claire pour dire voilà comment on va prendre les choses économiques et les choses sociales et que le gouvernement décide réellement sur les questions les plus importantes. S'agisse du financement de l'économie ou qu'il s'agisse de la situation de notre industrie ou de notre agriculture ou qu'il s'agisse de l'emploi ou qu'il s'agisse de la question sociale ou de la protection sociale ou autre. Voilà. C'est une condition. Il faudrait d'abord que cette condition existe. Et tant qu'elle n'existera pas, je pense que nous allons faire beaucoup de surplace sur pas mal de questions. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on s'est rendu compte. Tout le monde s'est rendu compte. Et l'initiative prise par Sa Majesté le Roi de développer un débat et une approche sur le mode de développement, en parlant de la nécessité d'un nouveau mode de développement, elle vient justement du fait, confirmé aujourd'hui par le Covid, par l'impact du Covid ou de la Covid, comme on a tendance à la féminiser, eh bien, l'impact, c'est qu'il y a précarité. Il y a pauvreté absolue, il y a inégalité sociale, et il y a des couches, des pans entiers de la société qui sont hors course, hors circuit, et qui vivotent. J'abonde dans votre sens. Dans le sens où nous avons construit des choses, nous avons avancé, mais nous avons laissé énormément de gens. Et je suis d'accord avec vous, lorsque Sa Majesté le Roi a considéré qu'il fallait ce nouveau mode de développement, c'était pour répondre à cela. Parce que, comme cela a été annoncé d'ailleurs, c'est bien ce que nous avons fait au niveau économique, c'est bien ce que nous avons pu réaliser sur le champ politique, c'est aussi bien par rapport à quelques avancées sociales, mais concrètement, nous avons encore du pain sur la planche. Et en second lieu, le fait même de développer la perspective de la protection sociale universelle, d'accord ? Ça vient, ça découle de la même logique, dans le sens où nous ne pouvons pas construire une économie forte avec deux entraves majeures qui sont constituées par la même source. D'une part, un secteur informel qui tire l'économie vers le bas et qui constitue une source de concurrence pour le secteur formel qui lui paye des impôts, qui lui est assujetti à un certain nombre de contrats. Et en second lieu, nous ne pouvons pas faire bénéficier correctement l'ensemble de la population des fruits de la croissance en laissant 70% pratiquement de la population en dehors du circuit formel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'occuper pleinement de cette question. Comment ? Rapidement. Parce qu'il s'agit de dire comment. Bien sûr. Comment rapidement ? Je pense qu'il n'y a pas d'autre approche possible que celle de créer les conditions d'un développement économique réel. Nous avons développé dans notre modèle de développement, d'accord, dont vous avez probablement pris connaissance. Tout à fait, je voulais revenir là-dessus. Vous l'avez vu. Et nous avons également développé dans nos propositions après COVID. Absolument, tout à fait. D'accord. Nous avons également développé une approche selon laquelle il faut résolument aller vers une économie beaucoup plus développée, beaucoup plus soutenue. Cela passe par, d'abord, à ce jour, nous continuons de considérer qu'il faut continuer de vivoter avec ce secteur informel
Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions, des questions de sécurité. Ça reste le premier employeur de l'économie marocaine. Justement. Oui. Et c'est ça qui doit changer. Oui, peut-être, oui. C'est justement ça qui doit changer. Oui. Si nous voulons que ça, ça change, nous avons besoin de créer les conditions d'une industrialisation réelle du pays. Je ne parle pas d'industrialisation à l'ancienne. Je ne suis pas en train de vous parler de rhétorique des années 50 et des années 60. Je parle d'industrialisation que tous les pays émergents ont connue. Si vous allez dans ce qu'on a appelé les dragons des pays asiatiques, ou si vous allez chez les Turcs, ou si vous allez chez des pays, ben je ne parle même pas de la Chine, d'accord, vous allez trouver que ce sont des pays qui ont réussi. La Chine aussi avait un secteur informel extrêmement développé et qui a rétréci considérablement, qui reste encore existant. Donc, nous avons besoin de créer les conditions d'une industrialisation réelle qui permette réellement de développer une production nationale. Une production nationale qui puisse nous libérer de la contrainte extérieure, nous libérer partiellement. On ne peut pas tout produire, mais on peut produire énormément de choses. La Covid est venue confirmer que le pays avait besoin de créer lui-même et de produire lui-même un certain nombre de richesses et qu'il ne pouvait pas continuer à importer vivons, et à dépendre de l'étranger. Nous vivons effectivement une rupture sur laquelle je souhaitais revenir peut-être plus tard, enfin on peut en parler maintenant hein, si vous voulez. L'année 78, Nabil Ben Abdallah, souvenez-vous, on était étudiants à Paris tous les deux. C'était l'année noire, le cauchemar absolu des progressistes. On a eu Reagan, Thatcher et Khomeini. Okay. Aujourd'hui, cette année, le Covid, c'est le cauchemar absolu des libéraux. Oui. Je ne vous le fais aujourd'hui, pas dire. Partout, on voit, c'est le retour des progressistes. Et le retour de la souveraineté économique, le retour de la souveraineté des peuples. Vous avez une autoroute devant vous. J'ai vu votre programme, j'ai vu ce que vous dites. C'est bien, je le salue vraiment honnêtement, parce que c'est tellement rare déjà. C'est un travail sérieux. Bon, enfin, ça reste un travail, je qualifierais de studieux et de convenu. On dit oui, bon, ça, voilà, c'est un parti structuré, c'est un parti de gouvernement. Voilà. Bon. Et en fait, j'ai peur, et c'était le sens de ma première question, j'ai peur que ce ne soit pas à la mesure des défis qui se posent. Et, la gestion de la crise du Covid, on parlait de ça, ça a profondément déséquilibré nos échanges extérieurs, mais ça a profondément déséquilibré les finances publiques. Aujourd'hui, on se retrouve, vous parlez effectivement, vous faites le constat de tous ces déficits sociaux. Tout ça, ça va demander énormément de moyens. Or, ça va sortir d'où tout ça ? Vous avez une réponse ? Aujourd'hui, on s'est terriblement endetté pour qu'on sorte de cette crise. Ça a été fait, je dois dire, avec énormément de responsabilités. Énormément de responsabilités. Et ça a été souvent extrêmement bien fait. Il faut le reconnaître, il faut le dire, et on ne le dit pas suffisamment. Mais demain, il va falloir rembourser tout ça. Et ça, vous qui êtes un parti, le parti de la justice sociale, le parti du progrès social, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de choix. Au niveau des déséquilibres des échanges extérieurs, il va falloir consommer moins de produits importés. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer, que Dieu nous plaise, voir un plan d'ajustement structurel se profiler. J'espère qu'on n'y arrivera pas, parce que c'est un souvenir assez douloureux. Mais au niveau des finances publiques, ça va se passer comment ? Par plus d'imposition, plus de fiscalité ? Quels sont... Vous, demain, vous êtes au gouvernement. Vous allez nous manger à quelle sauce, Nabil Ben Abdallah ? Bien. Bon, d'abord, je suis heureux de vous entendre dire que la crise du Covid est venue démontrer que tout ce qu'on a essayé de nous construire, et en particulier depuis 1978, comme théorie libérale, néolibérale, comme quoi il fallait savoir compter sur le marché, sur la libre initiative, et qu'à partir de là, les pays auraient la capacité de créer des richesses et ensuite bogue la galère, les richesses. On est arrivé au bout de ce modèle. On est arrivé au bout de ce modèle. Je crois qu'aujourd'hui, c'est terminé.
Et lorsqu'on a vu que les pays, un peu partout dans le monde, y compris auprès de la plus grande puissance mondiale, enfin, à ce jour, pour quelques années encore, savoir les USA, eh bien, ce sont les théories keynésiennes qui ont repris le dessus, avec la nécessité d'apporter un soutien massif de l'État à l'économie. Et on sait aujourd'hui ce que vaut le plan Biden, ces 3 000 milliards de dollars qu'il veut mettre sur la table pour relancer l'économie américaine. C'est vous dire un peu l'importance de la chose. On sait ce qu'il en est, bon, avec beaucoup de heurts du plan européen dans la zone euro, notamment les 800 et quelques milliards d'euros sur lesquels ils sont en train de se chamailler, malheureusement pour eux. Et donc, voilà. Aujourd'hui, dans le même temps, chaque pays, chaque État a compris qu'il fallait qu'il intervienne par lui-même pour relancer l'économie. Nous, nous préconisons exactement la même chose pour notre pays. Nous sommes contents de constater que Sa Majesté est venue dans son discours du trône de l'année dernière pour dire: nous devons injecter dans l'économie nationale 120 milliards de dirhams. Ce sera suffisant. En tout cas, c'était les perspectives de l'époque. C'est ce que je disais, ça a été géré avec énormément de responsabilités. Ce sera les perspectives de l'époque. Est-ce que ces 120 milliards ont été effectivement injectés dans l'économie à ce jour? Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas le cas à aujourd'hui. Et bien sûr, nous sommes encore en train de vivre les répercussions du Covid. Et donc, l'économie n'est pas repartie, ni chez nous, ni ailleurs. Donc, en espérant, il faut bien entrer dans cette hypothèse, en espérant que nous allons pouvoir créer les conditions de la relance à partir de cette année, d'accord? Parce que si c'est encore reporté à l'année prochaine, les conditions seront plus dramatiques encore, aussi bien à l'échelle financière qu'au niveau économique global, qu'au niveau On est social. bien d'accord. Et donc, en espérant que nous puissions le faire aujourd'hui, nous, nous pensons que, oui, le Maroc doit avoir la capacité d'aller probablement au-delà de ces perspectives. Nous estimons que l'État doit jouer un rôle de relance. Il faut que les choses soient claires à ce niveau. Tous les pays dans le monde, y compris les plus riches. Vous allez me dire probablement, mais les riches peuvent trouver de quoi rembourser. Bien. Mais le Maroc va devoir passer par la case endettement, d'accord, pour pouvoir relancer son économie. Il y a deux types d'endettement possibles. Il est préférable pour nous que nous ayons recours à l'emprunt national, à l'épargne nationale, autant que faire se peut, d'accord? Mais nous devons passer par là. Il est possible également de s'ouvrir partiellement sur l'endettement au niveau international, en particulier l'endettement du Trésor. D'accord? Donc, je pense qu'avec cela, si nous pouvons aller sur les 5 années à venir, sur 300 à 400 milliards de dirhams, nous aurions probablement la capacité d'apporter une relance significative à notre économie. Mais pour faire quoi? C'est bien beau de mettre cet argent. Pour d'abord venir en aide aux entreprises en difficulté aujourd'hui. Je crois qu'il faut le faire, sinon nous allons assister, comme nous avons déjà assisté, à un processus de faillite en cascade. Et processus de faillite en cascade, ça veut dire perte de valeur ajoutée, perte d'emploi. D'accord? Et donc, ce sont des Ce conséquences sont des extrêmement évidences. dramatiques. Ce sont des Ce sont des évidences. Ce sont évidences, des évidences. mais non, mais ce sont des évidences, mais nous ne voyons pas. Cela, l'État n'est pas en train de faire cela. Le gouvernement n'est pas en train de faire cela. Pour le soutien aux entreprises, ce qui se passe, c'est qu'on a mis les entreprises nez à nez avec les banques. Et on a dit aux banques, apportez autant que faire se peut des facilités à ces entreprises. Est-ce que ces entreprises seront dans la capacité de rembourser ces dettes? Nous allons voir déjà d'ici la fin de cette année comment cela va se passer pour un certain nombre d'entreprises. Donc nous sommes plutôt favorables à ce que un outil public, comme cela a été utilisé dans d'autres pays, puisse être mis en place pour apporter du soutien direct aux entreprises, voire même adopter la perspective que l'État soit
prennent des participations dans un certain nombre d'entreprises en particulier et se retirent au moment voulu de grâce. De grâce, il ne s'agit pas de nationalisation, il s'agit juste d'un moyen de venir en aide à ces entreprises et de ressortir, et probablement de ressortir plus riche en tant qu'État, premièrement. En deuxième lieu, il faut savoir qu'est-ce que nous voulons faire. La crise du Covid a montré que le Maroc doit créer autant que faire se peut les conditions de son indépendance économique. Pour créer les conditions de son indépendance économique, il s'agit d'aller, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est ce qui permettra également de combattre le secteur informel progressivement, vers une industrialisation massive, réelle, qui crée de la valeur ajoutée, qui crée des chaînes de production et des filières de production. Ça ne se décrète pas. Ça se construit. Encore faut-il que ça se construise. À ce jour, nous avons des efforts qui sont faits en termes d'industrialisation. Mais à quel niveau ? À quel niveau ? Oui, nous avons des succès en matière automobile. Nous avons mais encore une fois, en termes automobiles, il ne s'agit pas de production nationale et de capacités nationales qui sont développées. Okay ? Il s'agit d'abord et avant tout d'apports étrangers sur lesquels nous venons nous greffer. Il faudrait que le Maroc réussisse sa mue, comme l'ont fait un certain nombre de pays, pour que nous puissions développer notre propre industrie. Ça se crée. C'est comme cela que nous pouvons créer de la valeur ajoutée sérieuse et développer sur le secteur automobile, sur le secteur électronique, sur le secteur de l'aviation, sur différents secteurs, sur le secteur métallurgique, sur le secteur des industries lourdes qui permettent de constituer le fondement des autres industries. Eh bien, nous pouvons développer de la valeur ajoutée à ce niveau. Il faudrait que cela se fasse dans le cadre de stratégies de développement soutenues par l'État sur un certain nombre d'années, et nous verrons probablement les succès s'avérer au fil des ans. Parallèlement à cela, il s'agit de permettre également que nous allions vers des secteurs sur lesquels nous étions relativement en retard. Le Maroc a entre autres correctement traité les répercussions du Covid sur le plan social, oui, grâce à une digitalisation absolument avancée, absolument remarquable. Exact. D'accord. Eh bien, la digitalisation est un aspect fondamental sur le Maroc, sur lequel le Maroc doit se positionner. Oui. Nous avons des propositions concrètes, vous les avez certainement vues, que nous avons développées de ce point de vue, comment créer des leaders nationaux en la matière, comment créer une base, un hub régional marocain en matière d'iCloud, en matière de stockage de données, comment faire en sorte que nous puissions développer de la valeur ajoutée au niveau numérique. Eh bien, là aussi, nous l'avons développé. Le Maroc a la possibilité d'opérer réellement le tournant en matière environnementale et écologique. Nous le faisons sur les énergies renouvelables. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui sur ce dossier avec les surcoûts qui se sont déclarés. Mais peu importe, l'orientation reste bonne. Il s'agit d'aller vers tout ce qui est économie verte et d'en faire un vecteur de développement réel. Je suis d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez fait un travail studieux et convenu. Vous voulez que je vous dise, je n'ai pas d'autres propositions à vous faire, moi, que des choses concrètes. Nous ne réglerons pas les problèmes du pays en un an, non, vous savez. On est bien d'accord. Mais permettez-moi quand même d'exprimer une certaine déception, c'est un peu grand mot, mais je vois... Justement, je disais qu'on était dans une période de rupture. Et au niveau de la rupture, on voit quand même qu'ailleurs, il y a des réflexions extrêmement intéressantes qui se passent chez les progressistes et qui remettent en cause nombre de fondements de la science économique, nombre de fondements de la politique économique. Hein. Et ce genre de grands questionnements, malheureusement, sont absents, et c'est franchement dommage. Alors que nous avons, justement, depuis un an, l'année dernière, il s'est passé un truc extraordinaire. On l'a fait peut-être que partiellement, mais on a appliqué un revenu universel pendant 3 mois, qui a touché une grande part de la population. Mais c'est une expérience extraordinaire, permise par quoi ? Par le big data. Permise par une mobilisation financière qui a été faite d'une certaine manière, mais on peut en imaginer d'autres.
Il y a tout un tas de débats, de questionnements où on s'attendait, où je m'attendais à trouver le PPS. Et bon, mais c'est pas une critique. Hein, je vous dis que le travail que vous avez fait est tout à fait estimable. Hein, il y a aucun doute et aucune question là-dessus. Je trouve simplement que il aurait pu être un peu plus audacieux, étant donné les problèmes de l'heure. Et je voulais et je veux d'ailleurs alors, aborder je, le. Je suis obligé de répondre à cela parce que oui. On a l'impression, Ismaël, je connais la perspicacité avec laquelle vous lisez les documents et avec laquelle vous abordez la question économique, et nous avons ces débats-là depuis longtemps. Oui. Ben, tout ce que vous venez de... D'abord, j'aimerais dire quelque chose. Oui. C'est une plaisanterie, mais j'en serais ravi. Oui. Je vous entends parler aujourd'hui, je me rappelle nos débats de 78, et j'ai envie de vous dire une chose, mais vous n'avez plus qu'à prendre la carte du PPS. Mais il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, vous vous rapprochez de plus en plus de nous, et vous constaterez... Alors, je connais par ailleurs le fait que je vais être obligé de dévoiler un certain nombre de secrets on n'a rien à cacher sur les votes qui sont les vôtres et qui sont ceux de votre respectable famille. Donc nous avons développé depuis énormément de relations à ce niveau. Donc je connais votre appartenance et je sais que vous n'êtes pas loin du PPS non plus. Donc voilà. Le corps est à gauche. Oui, ça je sais. J'ai toujours su. Bien. Alors, ce que j'aimerais dire, non, oui. Au contraire, tout ce que vous avez dit est dans notre programme. Oui. Mais tout, d'accord. Absolument tout. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de vous parler des questions économiques. C'est-à-dire comment aborder la question économique. Je voulais vous parler également du plan Maroc vert, sur lequel il y a eu énormément de choses qui ont été faites pour l'agriculture intensive, pour l'agriculture qui concerne les grands rendements, pour les grands propriétaires et autres. Mais à ce jour, encore une fois, et ça vient garnir toute cette économie informelle, eh bien, les petits agriculteurs n'ont rien vu venir. Et vous pouvez le voir un peu partout. C'était donc, on n'a rien vu venir. Et donc, là aussi, il faut réorienter ce plan Maroc vert. Et j'aimerais en profiter pour dire une chose, parce que ça m'a échappé. J'avais la ferme intention d'en parler, puisque je parle du plan Maroc vert. Déjà, je vais me faire tirer dessus par les cellules électroniques qui défendent celui qui préside aux destinées de ce plan Maroc vert, parce qu'ils n'aiment pas qu'on le critique, ce qui est dommage, parce que c'est une critique sympathique. Ils ont rectifié le tir quand même. Oui, bon, ils essayent. Non, non. Ils essayent. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si rectifier le tir pour eux, ça signifie créer une fondation qui s'appelle Joud et développer. J'en parler aux citoyens. Et de créer une fondation qui s'appelle Joud à 4 mois des élections. Et développer et déployer 1000 couffins pour les distribuer aux plus démunis en annonçant que c'est de la part du RNI, voire même de la part du président du RNI. Si c'est comme cela que nous comptons régler les problèmes des Marocains, je ne pense pas. Si c'est comme cela qu'on espère gagner les élections, je ne pense pas que ce soit les moyens les plus honorables. Maintenant, je ferme cette parenthèse. Je voudrais dire une chose. C'est que sur le plan social, nous avons dit clairement aujourd'hui que nous ne pouvons pas tirer cette économie vers le haut si nous ne créons pas un socle de justice sociale. Donc cette question de revenu minimum universel, elle est dans notre programme, elle est là, elle est écrite noir sur blanc. Oui. Nous l'avons développée. D'ailleurs, ce n'est pas une position nouvelle, elle ne date pas du Covid. Nous avons développé cette position depuis plusieurs années et nous l'avons défendue dans les différents gouvernements dans lesquels nous étions. Et beaucoup s'adressaient à nous en nous disant « mais non, mais ce n'est pas possible, mais il n'y a pas les moyens ». Et on nous disait autre chose. On nous disait comment identifier ces gens-là. Et voyons comment, en l'espace d'un mois, voire deux, grâce à la digitalisation, eh bien, nous avons pu arriver avec un taux de déperdition de 10% que nous retrouvons partout dans le monde. Il y a certainement certaines familles qui ont profité deux fois ou trois fois. Mais de manière générale, plus de 6 millions de personnes ont pu recevoir une aide directe par voie bancaire et à distance. Et cela a été une réalisation extraordinaire que beaucoup de pays n'ont pas pu faire. Bien, donc d'accord. Nous sommes capables de faire ces choses-là. Il n'y a pas que des moyens financiers. Il y a la volonté politique.
il y a la volonté d'y arriver, il y a la capacité de gérer, il y a l'amélioration de la gouvernance. Tout cela, ce sont des choses que nous devons désormais utiliser. Il y a arrêter le gaspillage, arrêter les déperditions, arrêter. Nous avons un investissement public de près de 200 milliards de dirhams aujourd'hui, 190 et quelques, auxquels nous arrivons. Mais concrètement, un, nous l'avons sur les lois de finances, d'accord ? Mais quand nous venons à la fin de l'année, nous constatons que le taux de réalisation est nettement inférieur à la réalité. 70% à peu près. Un. Deux, nous avons un certain nombre de projets qui sont lancés, des projets énormes qui sont lancés, qui devraient être terminés en 2 ans, 3 ans, qui sont terminés en 10 ans. D'accord ? Des routes, etc., qui ont pris énormément de temps. C'est de la perte d'argent, c'est de la perte de temps, c'est une mauvaise gouvernance. Et donc, nous laissons beaucoup de plumes dans une gestion qui se fait de cette manière. Nous avons un État extrêmement centralisé. La territorialisation de la décision n'existe quasiment pas dans notre pays. Nous avons décidé la régionalisation, mais à ce jour, nous sommes encore en train de nous poser la question sur quelles compétences accorder réellement à la région et quels moyens accordés à ces régions et quels moyens accordés à ce qu'on appelle l'État territorial. Eh bien, là aussi, nous avons des efforts à passer. C'est pour ça que ça fait partie de l'un des 5 piliers de notre modèle de développement. Nous avons parlé de la nécessité d'améliorer la gouvernance, de lutter contre l'économie de rente. Ça suffit. Il faut arrêter ces secteurs économiques entiers qui se basent sur des autorisations, des agréments qui sont donnés par un ministère. Il faut arrêter cela, il faut dépasser ce modèle économique, il faut arrêter, il faut gérer de mieux en mieux notre économie et donner des gages que réellement nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre la prévarication. Ce sont des choses qui sont importantes. Si nous arrivons à les faire, nous allons pouvoir arriver à ces grands objectifs économiques et nous allons pouvoir développer une économie forte. Si nous n'avons pas un système de justice dans le même temps, la justice, ce n'est pas juste pour être juste avec tout le monde. C'est aussi le meilleur moyen de rassurer les investisseurs, qu'ils soient internationaux ou nationaux. Donc nous avons besoin de... Et tout cela, nous l'avons dans notre visée. Tous ces chantiers, ils sont listés. Mais ils ne sont pas mis en œuvre comme il se doit, parce que nous n'avons pas la volonté politique nécessaire au niveau d'un gouvernement, comme je le disais au départ, fort, qui sait exactement ce qu'il veut et qui veut mettre en place cela. Je suis d'accord avec vous, avant que vous le disiez une autre fois, nous ne pouvons pas laisser sur la paille des millions de personnes. Si on multiplie par 4 ou 5 les personnes qui ont eu recours à l'aide de l'État en avril dernier, eh bien, cela fait plus de 20 millions de personnes qui sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, en particulier par ces temps de crise. Ça veut dire que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. Ça veut dire que nous ne pouvons pas construire une économie solide avec quelques champions nationaux, bien que nous soyons partisans également de l'émergence de champions nationaux dans ces différents secteurs que j'ai cités, et en traînant des boulets de canon comme cela. Alors, très bien. Alors, Nabil Ben Abdallah, si vous deviez synthétiser ou communiquer à l'électeur potentiel, quelles sont les 4 ou 5 idées fortes qui pourraient le convaincre de voter pour vous ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Mais des choses extrêmement concrètes. De manière très concrète. Oui, de manière très concrète. De manière très concrète. Hein, vous proposez quoi à l'électeur ? Il faudrait vraiment, concise et simple, de manière très concrète. Il ne faut pas 10 choses, il en faut 3. De manière très concrète, si je devais dire cela, je dirais que, un, que l'État joue réellement son rôle dans le processus de développement. Vous pensez que ça peut inciter quelqu'un à mettre un bulletin dans l'urne ? C'est une orientation qui n'est pas visible aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Les Marocains ont besoin de cela, oui. Comment voulez-vous que les Marocains puissent faire confiance lorsqu'ils voient, par exemple, un chef du gouvernement, excusez-moi, je vais vous donner la preuve que ça a de l'importance. Oui. Un chef du gouvernement se pointe au Parlement ou bien accueille des journalistes et n'annonce strictement rien comme mesure. Strictement rien. Parallèlement à cela, 2 jours après, un comité de veille stratégique prend un certain nombre de décisions et fait
sortir un communiqué dans lequel décision 1, décision 2, décision 3. Lorsqu'on pose la question au chef du gouvernement, au Parlement, on lui dit, mais quelles sont les décisions concrètes? Il dit, nous sommes en train d'y réfléchir. Donc, où est le gouvernement? Comment faire confiance? Comment le citoyen peut faire confiance s'il n'a pas le sentiment qu'il existe un État fort qui va intervenir dans la décision, non seulement politique, mais également économique et sociale? C'est important. Bon, alors, c'est important. D'accord. C'est important. Alors, deux. Deux. Nous devons créer les conditions de l'émergence économique pour créer de l'emploi. Il faut que ces jeunes puissent trouver un emploi décent. On ne trouvera pas un emploi décent, excusez-moi. Je n'ai pas de recette miracle aujourd'hui à donner aux jeunes. Okay, je n'ai pas de recette miracle dans laquelle je vais leur dire, comme les bêtises qui ont été faites avant, vous savez, nous allons embaucher des centaines de milliers de personnes dans la fonction publique, ou bien nous allons, comme cela a été fait sous l'ère Basri, nous allons mettre des jeunes dans les communes. Et aujourd'hui, nous avons des communes qui débordent et qui regorgent de monde qui, sans savoir quoi en faire. Nous n'allons pas donner des solutions comme ça. La seule solution possible, c'est l'emploi durable. C'est l'emploi décent. Pour qu'il y ait des emplois décents dans le secteur formel, il faut développer notre économie. Il faut développer notre capacité de créer des richesses. Je vous ai donné les voies pour le faire. Donc, c'est quelque chose qui sera progressif. Ça ne peut se faire que si nous créons réellement les conditions d'une relance économique et des secteurs économiques forts qui puissent permettre l'émergence d'une part de champions nationaux, mais également à travers le soutien aux TPME et à travers le soutien aux PME. D'accord ? Nous allons pouvoir réellement créer un tissu économique formel qui va pouvoir embaucher des gens, mais dans le même temps leur assurer la protection sociale. Alors, si je vous dis la protection sociale, vous allez me dire c'est une idée de Sa Majesté. Mais soit, tant mieux. Non, mais c'est pas. Mais que la protection sociale soit en cours, c'est une chose, c'est très bien. Mais que nous ayons besoin de forces politiques comme le PPS qui veillent au grain pour qu'elles soient mises en application correctement et qu'il n'y ait pas d'écart et qu'il y ait une réelle généralisation de la couverture sociale universelle, qu'elle soit sur le plan médical ou qu'elle soit sur celui de la retraite ou sur celui des allocations familiales ou sur celui de l'indemnité pour perte d'emploi. Donc, sur toutes ces questions-là, il faut réellement des forces politiques qui sont capables de veiller au grain pour que les choses se fassent de manière concrète. Si je devais voter PPS, ou si les gens devaient voter PPS, je leur dirais qu'il y a une ligne de démarcation majeure sur laquelle le pays devait se distinguer, doit se distinguer. On y vient. Alors allez-y. Je vous ai dit ces choses-là. Ce sont des choses que vous ne retrouverez pas chez les autres forces politiques. Ce que je vous ai dit déjà, c'était le cas. Maintenant, je vous donne 3-4 questions importantes. Vous en voulez que 3 ou 4? Oui. La question de l'égalité homme-femme, qui est une question fondamentale, sans laquelle le pays n'avancera pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, les femmes pâtissent du sous-développement de manière beaucoup plus importante et profonde que l'homme à tous les niveaux, que ce soit sur le champ politique et de la décision, ou que ce soit sur le champ économique et de l'emploi et de l'égalité salariale, ou que ce soit sur le plan social, d'accord, de par ces conditions d'absence de dignité totale dans un certain nombre de cas, ou que ce soit sur le plan culturel et autres. Donc, sur ces questions-là, nous devons opérer des avancées majeures. La libération de la condition féminine pour faire en sorte que la ligne de démarcation entre le conservatisme, le progrès, le conservatisme et la modernité passe, cette ligne passe par la libération de la condition féminine et par l'émancipation des femmes et par l'égalité en droit. Nous devons impérativement créer les conditions d'une démocratie mûre, d'une démocratie participative, avoir des forces qui ont le culot d'exister, de dire clairement quelles sont leurs positions, de défendre ces positions et de dire que ce n'est que comme ça que nous allons permettre l'émergence d'une capacité, d'un savoir-faire, de compétences marocaines. On ne peut pas permettre l'émergence de compétences alors même qu'un certain nombre de champs sont des champs considérés comme dangereux. Voilà. Pour ce faire, il faut qu'il y ait des forces qui développent cela. Parlons de culture. Personne ne parle de culture dans ce pays. La culture qui est un fondement important du développement pour tout pays. Sans dimension culturelle. Évidemment. Sans dimension. Non, je ne parle pas de la dimension culturelle uniquement. Oui. Sur le plan de
du fait qu'il faut que la culture soit là, que les gens aient accès aux beaux-arts. Oui, il faut que les gens aient accès à cela, mais je parle aussi du fait que nous pouvons développer de l'emploi et nous pouvons créer des richesses à partir de l'industrie et à partir des industries culturelles. Donc là aussi, vous retrouverez ça dans notre programme et nous nous adressons à ces centaines de milliers de créateurs. Ne diluez pas votre communication. Je ne le diminue pas. Vous la diluez, je la dilue pas. C'était très bien. Ouais, si vous continuez, non, je parle de ça. On va se perdre. On va se perdre. Bon, voilà. Parfait. Bon, y a un dernier sujet qui aussi est fondamental et dont personne ne parle, en tout cas pas suffisamment. Parce qu'on est en première ligne. Tout le monde est d'accord, par Trump. Mais tout le monde est d'accord. Nous sommes en première ligne. La rive sud de la Méditerranée est en première ligne des effets du réchauffement climatique, avec des effets que l'on attend vraiment, ils vont être majeurs. Et ce sont des choses qui se préparent à l'avance, si j'en crois, ce que font d'autres pays. Par exemple, j'étais très surpris de voir que les Hollandais sont en train de relever les digues de leur polder aujourd'hui, parce qu'ils attendent l'élévation du niveau des océans. C'est un exemple parmi d'autres. J'ai vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, que Anne Hidalgo, maire de Paris, dit qu'en 2030, mais 2030, c'est demain, il n'y aura plus de voitures thermiques à Paris. Attendez, là ça commence à... Oui, non, mais... Ça craint. Chez nous, ça commence à craindre sérieusement. Il y a des régions aujourd'hui qui sont en train de connaître une véritable désertification humaine. C'est-à-dire que l'exode rural bat son plein. On peut parfaitement estimer, sans dire trop de bêtises, que sur les 15-20 prochaines années, il va y avoir plusieurs millions, peut-être 10 millions de personnes qui vont quitter le monde rural pour aller vers les villes. Et ça, ce sont des choses qu'il faut prévoir dès aujourd'hui. Demain, vous serez au gouvernement. Enfin, je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi, d'ailleurs. Donc, Quid de toutes ces questions? C'est où? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on va faire? Par où on commence? Quels moyens on met en face? Bien, alors sur ça aussi, nous sommes en train de faire un réel effort sur nous-mêmes. Je parle en tant que parti. Oui. Nous considérons que, bon, il y a eu quelques velléités de représentation politique, mais qui n'étaient pas à mon sens sérieuses, pour porter la question. Nous avons considéré que nous ne pouvons pas nous estimer de gauche ou nous estimer progressistes si nous n'introduisions pas la dimension écologique dans ce qu'on peut appeler l'écosocialisme, dans ce qu'on peut appeler une perspective dans ce genre. Et dans notre construction, aussi bien du modèle de développement que dans nos propositions de l'après-Covid, nous en avons beaucoup parlé. Et c'est pour ça que nous avons des propositions concrètes, de manière à faire en sorte que nous puissions réaffirmer notre souveraineté nationale sur les ressources naturelles et maîtriser leur utilisation. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème de ce côté, sur l'eau, sur les mines, sur les produits halieutiques, sur les produits forestiers, sur le patrimoine public foncier, hydraulique, maritime. Et il faut que nous puissions revoir tout cela et avoir une stratégie claire en la matière qui préserve les biodiversités. Nous l'avons exigé. Un big push, comme dans des pays, ils pensent aujourd'hui à la transition énergétique, de réussir cette transition réelle. Le Maroc continue d'être un pays qui dépend fortement des énergies fossiles et il va falloir, ce qui est réalisé dans le domaine est tout à fait remarquable et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais il faut aller plus loin. Oui. Il faut aller, par exemple, en matière d'utilisation de l'eau, question du dessalement de l'eau de mer est quelque chose sur laquelle nous devons faire un effort important. Nous ne pouvons pas, d'accord, avoir aujourd'hui, c'est bien que nous puissions réserver de l'eau pour notre agriculture, mais vous savez, quand vous avez à choisir entre assurer de l'eau potable aux citoyens, notamment dans le monde rural, ou bien irriguer des pastèques dans la zone de Zagora, je pense que ça pose un vrai problème de choix à faire. Et donc là aussi, il va falloir que nous puissions créer les conditions de la préservation
de nos ressources hydriques. Il faut, nous avons proposé la création d'un régime et d'un fonds de soutien aux entreprises qui utilisent des énergies renouvelables. On commence à avoir ce genre de mesures en matière d'automobile, par exemple. Toute personne qui achète l'hybride ne paye pas de vignette, ne paye pas la taxe de luxe, etc. Tant mieux, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans ce genre de mesures. Accélérer la réalisation des barrages, notamment des petits barrages, des grands et des petits barrages, notamment les barrages collinaires, parce que ça va permettre sur l'ensemble du territoire national de maîtriser, et aussi bien pour l'eau potable que pour l'agriculture. Faciliter les opportunités d'investissement en matière écologique pour créer cette économie verte en émergence qui va permettre de créer de la valeur ajoutée, de créer de l'emploi. Nous avons dans ce sens adopté, nous pensons à la nécessité d'adopter un plan rigoureux de sauvegarde de notre potentiel hydraulique, mais également investir. Et là, ça se dit, mais ça se fait pas. On a même créé un ministère pour l'économie sociale, pour l'économie solidaire, d'accord, pour l'économie circulaire. Mais concrètement, nous n'avons pas vu de développement massif. Alors que nous savons que si nous allons un peu partout à travers le pays et que nous voyons ces niches de coopératives, de regroupements de femmes qui agissent dans un certain nombre de métiers, de transformation de produits du terroir, nous pouvons créer de la valeur ajoutée, nous pouvons créer de l'emploi, aider ces gens-là. Et ça aussi, ça contribue à combattre le secteur aussi, informel. Ça, c'est l'une des grandes questions que je posé, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends, tout ça c'est bien, ça vient d'en haut et ça arrose tout le monde, voilà, très bien. Mais en fait, vous avez dit tout à l'heure que l'humain était central. Je le vois pas là-dedans. Là, j'ai de l'humain qui est passif, j'ai de l'humain qui est obéissant, j'ai de l'humain qui consomme ce qu'on va lui donner. Mais à aucun moment, là pour la première fois vous parlez de coopérative, à aucun moment je ne vois qu'on l'on donne à l'humain les moyens d'exprimer ses talents. Qu'ils n'attendent pas ça d'ailleurs, que lui-même soit responsable de son devenir et qu'on le lui permette. Et ça, je ne vois pas grand-chose. Je comprends que vous ayez, moi-même j'ai du mal à me retrouver dans toutes les propositions que nous avons. Donc non, je comprends que vous soyez passé sur un certain nombre de choses, mais en parlant, je suis d'accord avec vous dans le même temps, en fait, avec vos réflexions, parce que je n'ai rien à objecter, mais j'ai des choses à ajouter qui vont probablement aller dans le sens de ce que vous dites. C'est pour vous faire réagir. De ce que vous dites, justement. La chose dont on n'a pas parlé. Avant de parler de compétences, il y a une chose qui est fondamentale, je la mettrai au rang des priorités. Je mettrai deux autres choses au rang des priorités. La question de la santé et la question de l'éducation. Oui. Parlons d'éducation. Sans assurer une éducation massive, généralisée, de qualité, dans le cadre d'une école publique d'excellence, d'accord, le secteur privé n'étant là, que ce soit au niveau de l'école ou au niveau de l'université, que pour accompagner, sans qu'on arrive réellement à faire cela, eh bien nous ne pourrons pas créer l'élément humain. Pour que cet élément humain se développe de cette manière, il faut que nous puissions lui inculquer des compétences. Et c'est dans le cadre de l'école publique que nous créons les conditions de l'égalité des chances. Donc il est fondamental aujourd'hui que nous puissions réussir, pour ce faire, notre réforme de l'éducation. Et là, il y a un chantier majeur qui s'ouvre et qui nécessite des positions fortes, résolues, de manière à ce que nous puissions raccourcir les délais. Parce que cette réforme que nous avons commencée il y a quelques années difficilement, d'accord, sur laquelle il y a encore pas mal de polémiques, pour qu'on en voie les résultats, il va falloir attendre 20 ans. Et c'est là qu'on aura l'émergence de citoyens et de citoyennes marocains qui seront d'un autre genre. Donc ça demande du temps. Il faut réussir. Comme il faut que nous puissions réussir la mue de notre système de santé. C'est fondamental. Et la crise du Covid est venue pour affirmer combien cela a été important pour nous et à travers le monde. C'est comme ça que j'en reviens à ce que vous dites. Nous devons créer les conditions d'une sorte d'autonomisation de l'individu, de la capacité à ce que l'individu puisse également
se prendre en charge autant que faire se peut. Mais on ne peut pas demander à l'individu marocain aujourd'hui de se prendre en charge alors qu'il n'a aucune des conditions les plus élémentaires pour qu'il le fasse. Mais qu'est-ce que vous faites de l'expérience des microcrédits ? Il y a 1 million de dossiers aujourd'hui qui sont en cours. C'est 1 million de familles. Et c'est absolument remarquable. C'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. D'accord, et dont on parle beaucoup trop peu dans la sphère progressiste. On en a parlé. Attendez. Pourquoi c'est pas qu'on n'en parle pas. La question des microcrédits, voilà ce qu'elle pose comme problème. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de succès. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gamelles. Il y a eu énormément de jeunes femmes, de jeunes hommes, de femmes qui se sont mises en poule, etc., qui ont décidé de faire des choses et qui, n'étant pas accompagnées correctement, n'étant pas suivies, n'ayant pas les compétences pour se faire, eh bien, se sont retrouvées en déperdition totale et dans l'incapacité de rembourser. Et ont fait faillite et se sont retrouvées beaucoup plus pauvres qu'elles ne l'étaient à l'origine. Donc c'est bien le microcrédit, c'est bien comme outil d'accompagnement, d'accord. Mais dans le même temps, il faut qu'à la base, il y ait les instruments qui permettent d'accompagner. Aujourd'hui, les taux de non remboursement sont inférieurs à ceux du circuit bancaire classique. Et de surcroît, ce qui est très très intéressant et qui recoupe vos préoccupations, ce sont surtout des femmes qui investissent. Oui, Mina. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis seulement, lorsque je vous ai parlé de l'économie solidaire, ça repose beaucoup sur cela. Mais il faut vraiment une orientation qui fasse que nous puissions aller résolument vers ces contrées, vers ces espaces. Se trouvent ces jeunes femmes ou se trouvent ces jeunes hommes pour essayer de les prendre en charge, de leur offrir, de l'avoir une banque de données, de leur offrir des perspectives, de leur offrir des perspectives de commercialisation, de faire en sorte qu'ils ne soient pas piégés par les intermédiaires, comme cela est le cas des agriculteurs et des petits agriculteurs. Vous savez que c'est une histoire qui est un début de réussite, certes, mais il faut aller beaucoup plus loin que cela pour développer des systèmes de développement alternatifs. Et je suis d'accord avec vous. En fait, ce que vous dites, vous le retrouverez chez nous. Ça existe. Nous avons longuement réfléchi à ces questions. Bien sûr, nous devons prioriser parce qu'il y a tellement de questions sur lesquelles nous devons agir, qu'il s'agisse de la du financement de l'économie ou de l'économie elle-même ou de l'industrialisation ou de la question agraire ou de la question de l'enseignement ou de la question de la santé ou de la question culturelle ou autre. Il y a tellement de choses à prendre en charge dans notre pays ou de la question de la démocratie. Donc nous avons parlé de tout cela et c'est ce qui fait que dans notre mode de développement, nous avons dit qu'il y avait 5 choses fondamentales sur lesquelles il fallait agir. Le premier pilier, c'est celui de l'humain, au centre de tout processus de développement. Oui. Le deuxième pilier, c'est celui de la création d'une économie forte et des conditions d'une émergence et d'un décollage économique important. La troisième, c'est celle de la gouvernance, l'amélioration de la gouvernance, de la réforme de l'administration, de la réforme de la justice, de la digitalisation, de toutes ces réformes importantes sur lesquelles nous avons pris du retard. La quatrième chose, c'est tout ce que Aziz Bilal appelait les éléments non économique du développement. Ça veut dire investir dans la culture, investir dans le savoir, investir dans la capacité de créer un homme marocain nouveau, une femme marocaine nouvelle également, qui puisse réellement se nourrir des racines et du patrimoine de notre pays, mais s'ouvrir sur le monde. Et en dernier lieu, je vais vous dire une chose, et dans tous les cas de figure, il est important de le dire et de le redire. Et c'est pour cela que nous avons insisté dans notre modèle de développement. Même si on met en place tout cela, même s'il y a une vision pour cela, s'il n'y a pas de politique, s'il n'y a pas un champ politique, s'il n'y a pas des institutions fortes, s'il n'y a pas un gouvernement fort, des partis forts, autonomes, qui sont capables de prendre en charge cette vision, de la mettre en œuvre et d'aller chercher des compétences un peu partout. Arrêtons, arrêtons, je sais que vous n'en faites pas partie. Arrêtons de mettre face à face les soi-disant technos et compétences et les politiques de l'autre. On ne peut pas concevoir
qu'une démocratie puisse se construire sans partis politiques, sans institutions fortes qui ouvrent leurs portes à ces compétences et qui créent les éléments de la confiance et de la crédibilité pour que nous puissions voir ces milliers de jeunes Marocains qui aujourd'hui développent des choses extraordinaires, mais qui sont très loin du champ politique, ne croient pas à leur environnement, pour beaucoup d'entre eux veulent quitter le pays, etc. Ça, il faut que ça s'arrête, il faut créer une sorte de révolution culturelle qui permette de créer les sentiments d'appartenance à ce pays, de faire en sorte que tout le monde y croit, se dise que c'est un pays qui peut gagner. Nous avons eu ça, j'aimerais le dire, parce que c'est une réalité. Au début du règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous avons eu ce formidable élan. Il y avait une conviction forte dans différents milieux. Il y avait des gens qui revenaient de l'étranger parce qu'ils croyaient à la capacité pour notre pays d'y aller. Nous devons retrouver cette fibre. Nous devons retrouver ce souffle. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes prêté à ce jour. Je ne sais pas si tu as encore des questions. Moi, j'autorise tout. Je suis pas. Alors, c'est aussi, c'est évidemment, suivant l'usage, une question personnelle. Qu'est-ce que vous avez comme regret sur vos engagements, votre bilan, votre parcours, etc. Personnel. Personnel, oui. Honnêtement, je n'ai pas de regrets à titre personnel. Je pense que, j'ai modestement la conscience tranquille. Je pense avoir donné ce que j'ai pu donner. J'aurais pu faire plus, certainement. Mon parti aurait pu faire plus. J'ai le regret que j'ai aujourd'hui, c'est, je le dis, nous avons un parti qui est un beau parti. Honnêtement, j'y crois. C'est un beau parti. C'est un parti qui développe de l'idée, qui développe de la conviction. Nous n'avons pas su suffisamment. C'est principalement mon grand regret. Nous n'avons pas su, et j'assume une responsabilité particulière. Je suis le secrétaire général de ce parti aujourd'hui. Nous n'avons pas su. Certes, des conditions empêchaient de le faire, mais nous n'avons pas su faire partager cet idéal à la majorité des Marocains. C'est aussi notre faute. Ce n'est pas que la faute à l'autre. Ce n'est pas que le fait qu'il y ait eu des entraves à la démocratie ou bien que nous ayons reçu des coups. La vie est faite de cela. Il y a probablement des carences de notre côté. Nous avons essayé à un moment de développer ce qu'on a appelé une stratégie d'enracinement, d'enracinement et de fusion au sein de la société, mais malgré ça, je m'inquiète un peu, c'est le regret que j'ai, je m'inquiète un peu pour la suite, je me dis, est-ce qu'il y aura toujours autant de fibres aussi porteuses des valeurs du PPS dans les générations montantes, et si jamais cela ne se fait pas, ça voudra dire que j'ai juste un petit mot pour vous remercier de vous être prêté à cet exercice. C'est pas la première fois, ça doit être la troisième, je crois. Mais la première en virtuel, si je puis dire. Ça a été très enrichissant. On a une vision certainement bien plus précise. Ça a duré 2 heures. Bravo. Nous ne restons pas sur notre faim, ou plutôt si, nous restons sur notre faim, mais une faim gastrique, étant donné l'heure. Non, mais en tout cas, je vous remercie vraiment, parce que ce n'est pas un exercice facile. Vous n'êtes ni méchant, comme on peut le dire, et tant mieux. Vous êtes en même temps dans les interrogations qu'il faut. Et beaucoup de vos questions, si ce n'est toutes vos questions, ont été extrêmement pertinentes. Et je le dis pourquoi ? Parce que j'aimerais finir aussi sur cette note.
nous avons aussi besoin d'un champ médiatique qui puisse nous accompagner. Le champ médiatique, c'est Mustapha qui en a longtemps fait partie, sait que le champ médiatique a joué un rôle fondamental dans le processus de développement de notre pays, par son sens de l'interpellation, par son sens de l'investigation, par sa capacité à exprimer des positions. Nous avons fait partie de générations dans lesquelles les médias exprimaient à chaque fois des positions, l'édito. Vous avez lu l'édito de tel ou l'édito de tel. Cela a disparu et nous avons une sorte d'approche médiatique un peu superficielle qui malheureusement le parent pauvre, c'est le champ politique. Donc, si quelque chose ne va pas, c'est le champ politique, c'est les partis, etc. Mais passe. Espace favorable à l'émergence de médias, espace politique, permettent de protéger ces médias.